Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, bonjour partout là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Vraiment, merci à vous. Je suis désolé pour un petit retard. Vraiment, je suis désolé. On va parler à ce qui concerne le preuve de détournement de Vital Kamerhe. Beaucoup de gens... Beaucoup de Congolais posent des questions. Jusqu'à présent, on ne voit pas le preuve qui incrimine Vital Kamerhe. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas en quoi Vital Kamerhe est coupable. Le Congolais se pose des questions. Pourquoi Vital Kamerhe a détourné, mais il n'y a pas de preuve? Ça, c'est une question très importante que les Congolais aujourd'hui cherchent à connaître, cherchent à savoir. Mes frères et sœurs, partagez la vidéo pour que nous soyons le plus nombreux possible. En fait, que je donne des éclaircissements. En fait, que je donne le détail pourquoi il est aujourd'hui en Makala. Parce que même Vital Kamerhe lui-même a dû poser une question de savoir jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas pourquoi il est en Makala. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de répondre à Vital Kamerhe, pourquoi il est à Makala. Et même les gens qui essaient de poser des questions, de savoir si, en quoi il est coupable. Bande Konanganyan Saba Congolais, au Boza déjà connecté, et Belero Bazana en Aba Église, Bazoula en Aba Église à live. Mais bon, tout ça là quand même direct, Bao Bakoya ou Komanareta, Bakoya Kota Layango. Mes frères et sœurs, tous habitants sont tous congolais et tous lingaka, pourquoi procédure aux réseaux divisés? Maître Victor Wanjalo dit, je vous salue. Partagez la vidéo pour que nous ayons le maximum de personnes. Malgré ce dimanche, il y a des gens qui sont encore à l'église. Mais bon, on ne va pas attendre tous les jours qu'on soit 100, 200, 300, 400 pour faire le live. On va seulement passer le message et les gens qui sont en retard vont se rattraper après. Vital Kamerhe, les gens posent des questions pour savoir, mais où sont les preuves? Où sont les preuves matérielles qui démontrent que Vital Kamerhe a détourné? Les gens, ils ne voient pas. Et les gens, ils sont un peu confus. Que pourquoi il est aujourd'hui à Makala? Jusqu'à présent, on dit de 57 millions. Mais en même temps, Jamal assume complètement qu'il a dû recevoir 57 millions. Mais pourquoi Vital Kamerhe se trouve à Makala? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aux gens. Qu'est dit d'abord le détournement? Vital Kamerhe n'est pas reproché de vol, mais de détournement. Donc, le détournement, c'est pas seulement... que ce soit toi-même directement. Mais on va lire ceci. Qu'est-ce dit le détournement veut dire quoi? L'élément moral, le détournement plutôt, est l'élément moral de l'infraction. Ça consiste, dit à l'intention frauduleuse de se procurer à autrui un avantage illicite. Un détournement est cause à la yo directement te. Mais le fait aux facilités moutou, avantage moko boy, intérêt moko boy, ou yazo mérité te, yon moko aux accomplices, donc tu deviens détourné. C'est pour cette raison, les gens cherchent à comprendre pourquoi Vital Kamerhe est aujourd'hui à Makala et pourquoi il n'y a pas de preuves. Le problème est que mes frères et sœurs, lorsque on reproche à Vital Kamerhe d'avoir détourné, ce n'est pas lui directement. Et ça, c'est que Vital Kamerhe est directement dans la banque. Non. Mais le fait que le contrat Oyo a permettre Jamal Azouambongo ne respectait pas le norme imposé par la loi. Et malgré tout cela, Vital Kamerhe a tout validé. C'est là où il devient complice. Et la loi dit, si vous accordez un avantage pareil, pour la moutou, azo mbongo, azo avantage, moko boy, oyo,
Eza vraiment na qualité na yete. Yon moutou o facilité yé marché wana o komi complice et vous êtes condamné à la même sanction. Comme notre loi prévoit entre 5 ans à 10 ans de prison. Donc, Jamal et M. Kamer vont écoper la même peine en cas de condamnation. Et c'est là que les gens se posent trop de questions, même les gens qui soutiennent Vital Kamer et le pacificateur, que jusqu'à présent, on ne voit pas de preuves. Oui, vous ne voyez pas de preuves. Parce que ce n'est pas Vital Kamer qui est impliqué directement. Lui, il a permis un marché hors norme de passer. Il a permis un marché qui ne remplissait pas des conditions passées. Et il a même accéléré la procédure. Il y a encaissement, il y a mbongo. C'est là où il devient complice. C'est là où il devient détourné. La raison pour laquelle, même si Jamal affirme avoir reçu 57 millions, il ne mentionne nulle part que Vital Kamer et Azouak est parti, c'est tout à fait normal. Parce que quand vous facilitez à quelqu'un un marché pareil de 57 millions, s'il veut vous récompenser, il peut vous servir en liquide. Et en liquide, vous êtes les seuls à savoir là où vous allez cacher votre sou, vos sous. C'est ça un peu la grosse différence. Jamal est impliqué directement. Il assume, oui, avoir reçu 57 millions. Mais le problème est que la personne qui l'a facilité, même s'il a eu des retombées, même s'il a eu une somme, la justice n'a pas besoin de trouver l'argent dans le compte de Vital Kamer pour l'impliquer. L'effet seulement de faire passer un marché qui ne remplisse pas les conditions, Vital Kamer est poursuivi. C'est ça la grosse différence. Les gens ils ne comprennent pas, on ne voit pas de preuves. Comment vous cherchez de, vous voulez que la justice vous montre que dans le compte de Vital Kamer, il y a eu 10 millions supplémentaires par rapport au solde précédent. Non. On dit que c'est un détournement intellectuel. Un intellectuel ne peut pas détourner son argent et aller directement déposer à la banque. En cas d'investigation, c'est trop facile pour vous attraper. Donc Vital Kamer est la seule personne qui sait là où il cache la somme qu'il a reçue auprès de Jamal. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous poser des questions, de chercher des preuves. Parce que le marché est illégal. Pourquoi illégal? Parce que ça ne remplissait pas les conditions. Ça n'a pas suivi la procédure normale. C'est là le marché devient illégal. Même l'ancien prix sous Bitakuir, mes frères et sœurs. La pièce coûtait 19 000. Si Vital Kamer a suivi l'ancien prix, comme il dit qu'il a juste utilisé l'ancien contrat. Mais pourquoi le prix quitte 19 000 à 45 000? Parce que dans le contrat soi-disant Bitakuir, une maison préfabriquée était aux environs de 19 000. Mais Vital Kamer a signé le contrat à 45 000. Mais comment on peut suivre le même contrat? Mais à ce qui concerne le prix change. Hein, Marie Force Mo qui a beau partager vidéo pour la bande de Komoussous, base à l'ébélé, je suis juste passé. Je ne vais pas, excusez-moi, abuser de votre temps. Na l'équipe, on a expliqué dans le lobby. Ba Congolais, ba zomi tout na ba question, ba lobby, ba preuve, oyo Vital Kamer a détourné Zawapi. Ya ngonde na l'équipe na répondre bango. Que ba preuve, pobo luka, oba la ksabino, ke bo talambongo Vital Kamer a zo bomba, boko joua yangote. Mais ka lo lenge Vital Kamer, contrat wana ezala ki na norme te. Contrat wana e respecta ki ba règlement ya mboka te, ba loi ya mboka te. Et même na contrat yango prix ya Bitakuira ezala ki 19 000. Kamera eko lokota chifo contrat, prix eko koma na 45 000 par pièce. Donc directement, contrat wana eza complètement en dehors. Parce que si tu dis que toi tu as suivi nini ya Bitakuira, mais comment Bitakuira on lui taxait 26 millions pour 900 maisons. Mais vous, on vous taxe 45 millions, mais vous suivez le même contrat. Alors ça, c'est une contradiction. Donc, comprenez que ne cherchez pas de preuves matérielles. Mais, irrégularité. Nous sommes au EFANA qui n'a contrat ou ana.
mais Vital Kamerhe a validé Yango et a accéléré que Mbongo et Bima, c'est là où il est devenu complice à détournement des derniers publics, mes frères et sœurs. Arrêtez de vous poser trop de questions. Imaginez, vous travaillez à la banque. Vous autres travaillez à la banque. Bon, vous avez besoin de crédit. Capacité n'anglais va permettre un gâteau de 1 million. Mais yo osa directeur et la banque, on dit quand même na zoa 1 million. Baye ko sa la banquette balobi non. Mais la tête de l'entreprise de monsieur Mike ne lui permet pas d'avoir 1 million. Présentez-nous les documents où il a présenté qui pourra convaincre yo pour na yo pesa 1 million. Ba document exacté. Bon, balobi mais à quel titre pour permettre à M. Mike Touanga à jouer 1 million, tu n'arrives pas à te justifier. Mais dans ce cas, tu es mon complice. Ça peut être que tu es banni. Ça peut être que nous sommes des amis. Et il permettre à Ngana Benda Mbongo à jouer part. Quand moi, je vais prendre 1 million de crédit dans le compte, grâce à Zali. Mais tant que tu es un peu plus de part, tu es facilité de crédit. Grâce à Zalaté. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Ou mettez des cœurs si vous ne voulez pas partager. Mettez au moins des cœurs, s'il vous plaît. Donc, comprenez que Vital Kamerhe, par naïe à joie qui n'a liquide, et si ka a bombillé moutou, a yébi. Parce que, bonjour Marie Force, qui a beau partager dans ma groupe, baninga bazale belé pona, tout éclaircir ba congolais. Moi, je suis fatigué que les gens m'envoient des messages à inbox. Oh, mais ce qu'on va prendre en Vital Kamerhe à Ibezawapi. Détournement. Et l'ingi qu'on l'accepte, même si on te trouve pas avec un centime. Attends, on a un centime dans ma beau côté. Mais le fait qu'on facilite le marché, on est permettre à Moutou Mokoboy, à Zouambongo, à Zoumérité, on peut aux accomplices à détournement. Et aux accomplices à encourir même peine dans la terre principale. C'est ça le gros souci. Vital Kamerhe n'a pas volé directement. Il n'a pas détourné directement. Vital Kamerhe a permis à un certain individu, comme Jamal, aya kozwa marché oyeza illégal. Marché oyezo respecté ba normété. Alors, c'est pourquoi on se pose des questions. Pourquoi, malgré marché wana et banay ko rempli ba condition T, mais coûte que coûte Vital Kamerhe a valida ki yango pe Mbongo et Bimaki. C'est pour cette raison aujourd'hui il est poursuivi. Pour nous, il a poursuivi, il a détourné. Mais ça ne suffit pas qu'il faut qu'il y ait un bon ou un bon. Non, c'est là où les gens ne comprennent pas. Même ceux qui ont un compte bancaire, ils ont un négatif, ils ont un autre côté. Mais les faits, il y a capacité, pouvoir, ils ont exercé, ou permettre à tout le monde d'avoir 10 millions. Mais ils ont un compte, ils ont un autre côté, ils ont perdu 10 millions. Aux accomplices. Bakolandela, même si dans ton compte on trouve 0 euros, 0 dollars, 0 francs congolais, Bakolandela yo, que le fait permettre Moutouana aïba, par na yo ezali. Mais tant que vous avez par na yo, yo moutoukoye babisiko kendeko bombisa yango. Donc comprenez que le fait que Vital Kamerhe, contrat wana ezala ki contrat chiffon, contrat bidon. Un contrat qui ne respectait pas les normes imposées par la République. Mais il a validé Yango na autorité personnelle na ye. A validé Yango selo ye. Yango bazo tout na ye, papa ye. Projet Yango ya 100 jours et l'ingi ko l'accepté que misale il fallait qu'il soit dans 100 jours. Mais c'est jamais le taxer ses maisons à 19 000. Yo ye kondima na 45 000. Bon, c'était prévu que bafouta ye par tranche. A compte à Liboso, Moussala et Banda. Après ce bamoni que Moussala est au Kende Liboso, Mbongo Babakisi. Après troisième fois, il y a Kossil. Mais comment yo osali, ozo bengati na ba téléphone? Ton monaki, ministère de budget, azo témoigné qu'il avait reçu un appel personnel à Vital Kamerhe pour nakoye bisabango ba accélérer ba bisabango ba pesa jamal. Mais dans tout ça, vous dites que vous cherchez des preuves pour na. Bon, mon andeni Vital Kamerhe a détourné. Comment il était devenu encore Moutou Yakobanda Kobenga pour pas pesa Jamal Mbongo? C'est une société. Moussala engagement. Moussala angopena nous basilicité. Moussala angopena nous basala ta moitié te. Mais yo ostini lettre à non objection pas pesa Mbongo partout. Et ce qui wana te est comité na ba appel téléphonique.
Quel était l'intérêt de Vital Kamerhe dans toute cette démarche? Intérêt n'aie ezalaki nini. Bolingo yango nini oye alingaki jamal. Yo aussi au pesi moto contrat. Au pesi lettre à non objection. Que pas pesa yembon. Mais ozo benga lissou sur na téléphone. Il faudrait libérer de l'argent à Jamal. Il faudrait faire tout pour. C'est là où il est complice. Il est complice de valider un marché illégal. Un marché qui n'a pas suivi la norme normale. Un marché qui ne respectait pas les conditions imposées par la loi. Alors, vous cherchez des preuves. Vous cherchez des preuves. On vous dit que c'est un détournement intellectuel. Vous pensez que moi, je vais détourner l'argent à Kimimbango na Keko déposé dans le compte bancaire Nanga, tout à moi, Nanga? Non. Parce que si je dépose, en cas d'une enquête facilement, bah, quoi, ah, mais c'est toi, Nanga. Il y a juste un mois dans ton compte, tu n'avais que 10 000. Aujourd'hui, vous avez 100 000. D'où provient votre argent? Donc, un homme intellectuel, quand il détourne de l'argent, tant qu'il a facilité Moutou Azoua marché, ou il illégal, bénéfice parti, il a déposé dans un compte bancaire. La loi dit même que l'argent peut être gardé chez le proche. Mbonge kik ba ko bomba bo partager ba vidéo ba ndeko nanga bo partager to comme encore moi ebélé pour na battre belé baza dans l'obscurité ya koyé ba preuve ko la kisi que Vital Kamerhe et a détourné za ba ba profiter. Bonjour pasteur Luamba Benanitu, mon pasteur, bonjour nga na haute église déjà yango na zo intervenir na éclaircir batu o bazo tout na wapi ba preuve preuve la kisi que marché ezala ki na norme T, le marché ne respectait pas les normes, n'a pas suivi la procédure normale. Et en ce moment-là, le marché ne pouvait pas être exécuté, ne pouvait pas être validé. Mais le fait que Vital Kamerhe a validé le marché peut accélérer la procédure d'encaissement à Mbongo, il devient complice. Même ceux qui ont trouvé 0 € dans le compte à Vital Kamerhe, lui, il est le seul à savoir là où il cache son argent. Un exemple, mes frères. Mbongo o Jamal a joué sur 57 millions que 7 millions de kéna na Turquie. 7 millions seulement de kéna na Turquie. 50 millions et si kéke e yébanité. Jamal nous dit que Mbongo est na Liba et na Grèce. Mais par quel moyen atindi Mbongo na Grèce? Atindi na voie bancaire, mais c'est strictement interdit. Yako évacué 50 millions na Congo. Otinda yango na Turquie, otinda yango je ne sais pas où, sans cause à la licence. Jamel a évacué 50 millions. Na bavo eza ni bancaire, ni Western Union, ni MoneyGram, ni transfert bancaire. Abandai koya ko zwa mbongo na ro banque en espèce, mais aujourd'hui c'est justifié que mbongo ane eza na Liba. Yango de directeur général, ya Rao Bank, a été limogé. Il a perdu son poste de directeur général à la banque. Bah, je me suis que non, ce n'est pas possible. Comment Mouta s'est présenté dans la banque Aza Kobimisa des millions à guichet? Justificatif et à utilisation en Mbongo Ezate. Licence Moko Ezate. Jamal avait souscrit la licence à Kobimisa maximum 12 millions. Mais lui, il a évacué 57 millions. Yango Batunaki, directeur général à la banque. Balobi, mais par quelle magie, par quel moyen on permet à qui 57 millions et bima, sans que Moutaye la licence, sans que APSAYO ba justificatif. Comment ça s'est passé? C'est pourquoi il était arrêté, amené à Makal, ba yeko pe sa caution, y a liberté provisoire, anda abimi, tanga abimi ba limoje ye, ba longoli na poste na ya ki directeur général et Aro Bank. Comment on ne peut pas comprendre aujourd'hui que peut-être Mbongo yango tozo tout nezawapi eza na banda ko ya batu? Parce que jamais la zolo batindi à l'étranger. Mais na moyen nini? Na moyen nini? Batali na ba relevé bancaire, ba transfert bancaire, ezate. Donc jamais atia ki Mbongo na basaka atindi na Liba, atia Mbongo atindi na Turquie. Non, c'est interdit. Il n'a pas droit à kotia Mbongo na ba valise pour na kokindi yango libanda. La seule possibilité, c'est par transfert bancaire. Mais Mbongo ya Jamal, je répète, que 7 millions, n'est-ce qu'il y a
na société azo sombela biso bandako o eza même na 5800 ya taxé biso 19000 na bitakwira avec Vital Kamerhe ndako ange ikokoma na 45000. Vous comprenez tout ça que mbongo bozo luka eza caché na bandako eza pas ba proche hein mbongo bozo luka ya jamais na Vital Kamerhe eza pas ba proche na bandako bango mi balé ba yebi bisika mbongo ezali hein. Ce qui m'a dit que liba, na voix bancaire Mbelelo balaki si tout ba preuve que non, oui, mais c'est Jamal. Azwa ki m'a atinda ki 10 000 na liba, 15 000 na Grèce, autant. Mais ba preuve wana ezate preuve kaka moko 7 millions de kendaki na Turquie. Turquie et si kazo sombe la biso bandako. Mais plus de 50 millions, et bima ki na ro bank, ake azwi, ake azwi, ake azwi, Jamal azo zwambo, en espèce plus de 50 millions. Batouni ezawa aloba atinda à l'étranger wapi preuve preuve zate. Donc dans ce cas Jamal akozala poursuivi pour na blanchiment de capitaux. Qu'est-ce que cela veut dire blanchiment de capitaux elingi koloba nini? C'est le fait ya ko dissimuler un montant qui n'est pas en réalité ezo wuta na ba activité na yo. Mais yo lobi a ngana sala ka commerce mususu na zote ka je ne sais pas mikate nanga ozana chiffre d'affaires de $10 on te voit amener 50 000 déposés mais batuni o ke mbongo e utwa pio lobi ke non e utika na musana nga mikate oh cet argent peut-être e utina drogue cet argent peut-être e utina escroquerie donc yo o dissimuler capitaux na yo capital na yo plutôt eza punissable de 5 à 10 ans d'emprisonnement et au kofu ta fois 6 montant au dissimulé. Jamel nous dit que 57 millions c'était pour acheter des maisons préfabriquées, mais il a envoyé que 7 millions en Turquie et il récupère 50 millions, il envoie soi-disant à l'étranger, mais il n'y a aucune preuve. Comprenez mes frères et sœurs, comprenez mon émotion, ça fait trop mal au cœur. Et même, je vous disais, le directeur général Yarao Bank a payé sa peau. Il était interpellé, il était à Makala, il était libéré sous liberté provisoire. Avec caution d'une grande somme d'argent. Tant que le directeur général Yarao Bank a bimi, il a limogé et il a limogé Moussala. Pour nanini, il a peut-être été payé à Zala qui complice. Comment il a 50 millions et bima? Licence est il n'y a pas de licence. Bozo pèse 50 millions à liquide et pas commercial. Les commerçants, ils ont des comptes bancaires. Lui-même, Jamal, nous a dit qu'il a des comptes partout à l'étranger. Comment il n'a pas fait de transferts bancaires vers ses comptes à l'étranger? Jamal a préféré aller récupérer l'argent en liquide. Bon, Ndenga Zouaki 50 millions en liquide. Ce qui est le cas, c'est que Vital Kamerhe a 30 millions. A 10 millions. Que Vital Kamerhe a bombé en haut quelque part. Yo, Nangai. Parce que vous cherchez des preuves. Oh, ils ont la kisakeno Vital Kamerhe et Azoaki Mbongo Ndenini. Non, lui il a fait passer un marché illégal. Mais commission n'a été en bakopé saye. Bakopé saye en privé à liquide. C'est lui seul qui peut savoir là où il peut cacher son argent. C'est simple. Mais même la loi dit, même l'octroi de marché Jamel par la volonté personnelle de Vital Kamerhe, quand la procédure n'a pas été respectée. La procédure des lois n'a pas été respectée. Donc, comprenez bien que la peine va entre de 5 à 10 ans d'emprisonnement parce que marché bidon au tiki yango moutou azwa mbongo. Pembongo yango e belé. Na yebisaki bino ke, bitakwira basenga Jamal. Ke bakofuta yena 3 tranches. Vital Kamerhe a débloqué 57 millions du coup. Azobenga na ba pression na téléphone ba pesa Jamal bon tout ça c'était pourquoi wana de complicité Vital Kamerhe est poursuivi de complicité de détournement mais la loi dit que na détourneur principal na yo complice vous encourez la même peine si Jamal sera condamné à 10 ans de prison Vital Kamerhe sera aussi condamné à 10 ans de prison parce que Vital Kamerhe fut son complice. C'est simple, non? Pourquoi vous cherchez des preuves? Oh, balakisa. Mes frères et sœurs, ceux qui ont ce pélissabino, vous partagez, vous tiez à bas cœur,
pour na Facebook et puis c'est pila que on a zolo besoin important. Vous êtes plus de 127 personnes à me suivre. Mettez des cœurs ou partagez. Hein, mes frères et sœurs. Donc, ce qui m'a tourné aux questions, ou à peu près, la qui est vitale, a y bimbongo toi détourné, y bisa y que marché au y atika qui jamal a 57 millions, et ça, illégal. Illégal pourquoi? Parce que marché ouana n'a pas suivi aucune expertise. Il fallait qu'il marché, bah ça, la expertise, bah valider yango. Marché ouana et sota qui ba échelon nyoso. Marché et sota qui procédit normal nyoso. Timbongo et bima avec accélération na lettre à avis de non-imposition, non-objection plutôt, avis de non-objection. Donc, ce qu'on mon lettre wana, yoza ministre à budget, yoza ministre à finance, bimisambongo pesa. Et à part lettre à Vital Kamere, y compris des appels téléphoniques, c'est ça sa complicité au bazo reproché que à faciliter détournement pour na yé. Dans l'intérêt, il y a qu'on procure moi par naïe. Ah, mes frères, c'est simple, non? Naïe bike yo. Bon, n'a pas cet exemple, mon kobo elisou, c'est facile. Naïe na 50 millions à l'aéroport international d'Njili, je vais voyager en Europe. La loi interdit que personne ne peut transporter 50 millions à mallette naïe. Yondoza responsable dans l'aéroport. Nakomi, oyebisinga que non, mais c'est Touanga, c'est interdit de passer avec 50 millions. Je suis obligé de rentrer chercher la licence qui me permet de sortir avec 50 millions à l'aéroport. Mais yo, tikingaï, tu me laisses. La loi interdit de débloquer plus de 30% du marché aux opérateurs économiques et Jamel est le seul bénéficiaire, la totalité du montant, bien que. C'est contre la loi. Ndekonabiso bodine ngindo alobi la loi interdit. Ozoa plus de 30% na opérateur en plus musale salamité. Yozoa plus de 30%, la loi interdit. On peut pas vous laisser prendre 30% à marché, excusez-moi. Ozoa 30% à marché tant que même on accompli marché en côté. La loi interdit. Mais Jamal a vu totalité sous ba ordre à Vital Kamere. Pour quelles raisons, pour quel intérêt? Jamal a za congolais te ke a zan de Kunanga ya Kasai, a zan de Kunanga ya Kivu, Bouinaboui même. C'est un Libanais, un étranger. Mais yo, on valide contrat na yo respecté ba norme te. Mais au komi pe ko benga na téléphone kaka mbonge ebima, yo suko y intérêt na yo izawapi. Donc Vital Kamere savait qu'il allait récupérer sa part. Mais tant que Jamal est coupé, ça y est, et qu'on a un transfert bancaire T. Sans liquide. La raison pour laquelle Mbongo et Jamal est sur 57 millions, seulement 7 millions dans sa liquide transfert, Moussous n'yon sa une espèce dans la banque. Naro banque. Hein? Naro banque, Jamal a récupéré tout son argent en espèce. Soka akabeli 10 millions. Soka akabeli Moussous 5 millions. Nana kouya kouya, parce qu'il y a qui a une espèce dans la banque. Après, a commencé, il a ndenga lingi. Si vous avez un peu de temps, Vital Kamere Mbongo. Preuve, bino bozolu ke komona na wapi. Parce que Jamel a récupéré l'argent 50 millions en liquide na Rao Bank. Donc, arrêtez de vous embêter. Arrêtez de vous déranger que oh, Tilelo, c'est un procès politique. On ne voit pas de preuves. On ne voit pas ceci. Non! Yo facilité moutou marché à zo mérité te. Ou accélérer procédure à Zouambongo. Non, soana pour quelle raison? Moi, na nayote, leki nayote, ndekouya moi si nayote, un opérateur économique étranger. Hein? Non, ndekouya lobi, monga la konga lobi, qui t'a dit que c'est interdit de. Mais je t'ai dit, mon frère, je dis, soko komina 50 millions à l'aéroport, mais ozana licence était ozana autorisation était c'était interdit mongala Congo ça peut être autorisé soko zui OK au justifié ba réseau zo même mbongo na 50 millions en liquide ba pe si autorisation c'est légal mais Jamal les a illégal parce que je vous informe Jamal a souscrit à une licence lui permettant de retirer au moins 12 millions mais il a retiré 57 millions Sans aucun autre justificatif supplémentaire. C'est là où ça devient illégal.
Donc, il ne faut pas vous battre à chercher où est la preuve, où est la preuve. Jusqu'à présent, Vital Kamerhe est innocent. On ne voit pas un héros. Non. Bazo lobate que Vital Kamerhe a kende koyi bambonga a tchena konti na ye. Non. Balobi détournement, mais détournement, je répète, et la kisite ka ba kanga on a mbongo na poche. Oko ki ko permettre motomususu a yiba. Sous supervision na yo, sous volonté na yo, sous influence na yo. Et tant que moutou an a yibi la, ya ya pesio, mike mike na, tant, cash. To mona ki, ba keko bimisa mbongo na banque centrale, ba yeko pesa John Tumba wapi, na villa na ye, na cité du fleuve na Gombe. Tant que ba pesie 1,154,000,000 na villa na ye, soka alongo la kata 10 briques, alongo la kata 200,000 a saleli yango, qui allait savoir? Mais ce qui m'bongo wana ba pesa ki mouima 1,154,000 et ke dakana voie bancaire. Mais c'est trop facile, ya koloba ke 1,154,000 elongwe na banque ke na compte ya mouima. Mais ba ke ko zwa na espèce na Banque Centrale du Congo, BBC. Non, BCC, Banque Commerciale du Congo, Banque Centrale du Congo. Ba ke ba zwi mbongo et pas comptable et à présidence, à zoke ne kope sambong et pas mouhima na katia villa na ye na cité du fleuve na Gombe. Si ko so ki mouhima a zui morceau moko boye, apè sa ta, toloba, comptable et à présidence, trace ni ne kolakis. Mais pourtant, comptable et à présidence a ke a zui mbongo, apè si document ba pe siye. Mais tanga ye kope sa John en tumba mbongo na villa na ye, y a pas de preuve. Comme que John Tumba a oki ko longola ini parti a zui yango. Comme John Tumba a kozo ape ini parti ape si comptable à présidence, preuve nini yo ko ya ko démontrer parce que comptable a ke kozo ambongo na présidence avec un document. Mais tant a ko pesa John Tumba na villa na yena cité du fleuve na Gombe, eza entre deux individus. O koti nanda ko nanga ti me donne plus d'un million en espèces. Ata na pe si yo parti. Atana bandiko kabila ba master nga mbongo wana. So ki lelo na za arete, preve nini boko yako, kanga ba master nga wana kebino bozo mbongo pa Mike. Y a pas de preve. Paske nga na zui mbongo an espèce na kabeli ba master nga. Me nga y boza na preve paske boyebi ke mbongo wana, nga na zwa ki ange uti na bank. Me tango na yeko sa la repartition, mbongo yza na maboko nga, c'est moi la seule personne qui sait que na pesa ki oyo tan, na pesa ki oyo tan. Donc, na bande ko baoti ko kota. So ki batuni yo question ke Vital Kamerhe pourquoi aza poursuivi. Ba o bozana numéro ya Vital Kamerhe so ba azo ndenga azo mituna pourquoi il est à makala boye bisa boye. Aza na makala parce que il a validé un marché qui ne respectait pas les normes. Même prix ya banda ko na contrat ya Bitakwira e banda ko coûter 19 000 s'il vous plaît. Mais il y a un contrat qui a été commis à 45 000. Donc on ne peut même plus parler. Il y a un contrat à Bitakwira. Parce que le contrat à Bitakwira, il y a 19 000. Mais ceux qui ont respecté que on a un contrat, il y a validé. Mais pourquoi prier qu'on change de 19 000 à 45 000? Donc c'est un contrat bidon, un marché qui n'a pas respecté la procédure normale imposée par la loi. Et qu'on permettre Moutou à bénéficier et belé à Mbongo Bongo. Na marché moko boye oyo appel d'offres salamité. Hein? Un marché public qui respecte ba norme, il faut pas ça l'appel d'offres. Ba prestataire, ba opérateur économique ba yé belé. Oyo alobingai ndako nanga so na zote kango 15 000, c'est parce que eza boye boye. Oyo alobingai nanga so keza 30 000. Après bo comparer ba prix. Bo transmettre en la direction générale de marché public pour la expertise. Batali balobi, ah, pour la 10 offres, oyo. En tout cas, biso toponi kaka oyo. À partir où on va valider, le contrat devient conforme. Contrat à Vital Kamerhe, ils ont un défaut à conformité. Hein? Marché na yo wana, on appelle ça Jamal, ils ont un défaut à conformité. Déjà, le prix change. En plus, si ça n'a pas été soumis, na expertise attend à mon côté. Mais quand même, non, ça a été validé, jusqu'à l'encaissement. Donc, Vital Kamerhe, je répète, est poursuivi pour
la complicité. Il est complice de Jamal. Il a permis à Jamal de bénéficier d'un marché qu'il n'a pas peut-être même pas mérité. Et dans quel intérêt, dans quel souci? Naïebi que yo dossier na yo et que les kate et moussous na moussala mais naïebi si yo zala calme na osala tout et les cas dossier et les qui tant que yo kouta na yo pesinga quelque chose. Ah merci Mike, merci vraiment. En tout cas ndengo sunginga na zui moussala ndengo sunginga et simbi soko pesinga $100 $200 est-ce que comment nana? Parce que tu kouta na entre bisomi balé. Donc comprenez mes frères et sœurs, vous partagez. Mande Kobalingi, to garder contact, vous suivez na Facebook, vous partez sur mon profil, vous cliquez suivez Mike Etouanga parce que je ne peux plus accepter de nouvelles demandes. Soit j'ai ma page officielle Mike Etouanga fils officiel TV, OK kaka OME page. To kobano discuter. Bande Kobazana posa ya article oyezo ko sanctionner. Moto oy a détourné mbongo. Boko melanga na inbox na kotinde la bina article wana eza ya pays na biso. Eza ya constitution na biso oyo ezo condamné mutu oyo a détourné directement te. Mais la personne qui facilite le détournement aza condamné na même peine que le détourneur principal. C'est pour cette fois que aujourd'hui ceux qui jamais Lazare est connu coupable de 10 ans, Vital Kamerhe va mériter la même chose. Ça c'est notre loi. Les gens qui doutent, je vais vous envoyer, écrivez-moi que Mike, je voudrais une preuve. Qu'est-ce que dit la loi à ce qui concerne la complicité au état de détournement? Je vais vous envoyer. Même sur ma page, si vous partez, je publie des articles conformes à notre constitution et à notre loi. Pour les alertés que on se base sur la constitution du pays et sur les lois de la République. Donc, ata yo au détourné directement, mais au facilité na yongai, na zwambongo. Nga na zui bisomi balé toza sanctionné na même niveau. Ça, c'est la loi congolaise. Donc, mes frères et sœurs, Vital Kamerhe a fait bénéficier à Jamal un marché qui n'a pas dû mériter. En même temps, qu'on faire bénéficier marché wana, aye qu'on facilité encaissement accéléré. Bon, nazo pesa bien exemple. Ministre Abidjé. Ministre Abidjé à Lobaki. Jamal aya déjà na bureau na etango ya Bitakwira à Lobako se suicidé parce que projet na eto contrat na ezana maboko ya Bitakwira mais gouvernement balingo pesa mbongo te. Ministre à Lobaki na télé bino tout bolala à Lobito pesa e bouté à mai pas secrétaire nanga. Que to lembi ba grimace. Zwa bouté à mai yangoyo. Mais là, quand le poison est en coufa, jamais la mélate à coufaté. Mais une fois assigné, une fois Vital Kamerhe a validé le contrat, il y a 57 millions et bimi en moins de 2 mois. Par contre, jamais la salle qui va et vient, dans le ministère du développement rural, dans l'époque où il y a Kouira, na Brino Chibala, a bête à ba tous les jours pour na contrat na ba pesa mbo ba pesa ka été ti azo menacer ba ngalo bina ko se suicider ba pesa e pe mbongo te. Maintenant Vital Kamerhe moins de 2 mois 57 millions et bimi 57 millions ango ka 7 millions de ke na tirki pour na ko somba banda ko 5 millions et bimi na ro banque na espèce sans aucun justificatif ya utilisation mbongo. Donc aujourd'hui jamais la cause la même poursuivi d'avoir retiré en espèces plus de 50 millions sans licence. Conséquence est que même le directeur général de Yaro Bank a été licencié. On l'a limogé de son poste. Que non, c'était inexplicable que banque ba bimisa mbongo ya ebele bongo baba na ko servi un opérateur économique en liquide. Hein? Bande konangai. Bon, pesa nga réponse. Ne jamais le déjà abîmé sa kimbongo na banque en liquide plus de 50 millions. Licence naye ezo permettre ye qui peut retirer que 12 millions. Bon, excusez-moi, lui il est parti au-delà ya licence. Mais banque bazala ki na tolérance, bazimbongo ba pesier. Directeur général ya banque wana balimoje ye azangi musala. Pona nini? Incompétence, peine négligence. Tu ne peux pas débloquer une telle somme au PCN opérateur en main. Et quand lui, il a récupéré ses 50 millions,
Soka appelle ça qui tel ou tel tel montant. Yo koye bandengeni. Vous qui cherchez des arguments que oh il faut pas la kisabino que vital kamere azamoyi bito a détourna qui il faut preuve matérielle. On vous répond qu'il y en aura pas. Il y en aura pas. Mais les faits à comploté. N'a un opérateur économique. Amatisse la bisonda de 19 000 à 45 000. En plus, il a accéléré l'encaissement sans que le projet soit en réalité accompli. Hein? L'effet aussi de harceler en quelque sorte les gens à débloquer l'argent avec urgence pour na, Jamal Azoua, Vital Kamerhe est déjà largement condamnable selon la loi. Les gens qui doutent, envoyez-moi des messages inbox, je vais vous envoyer, il faut que vous puissiez lire vous-même. L'article dit, même si on vous trouve avec 0 € dans votre compte, mais vous venez de permettre à M. Mike Toanga, dans votre société, dans votre entreprise, dans votre, je ne sais pas, organe, de voler ou de détourner une grosse somme, vous serez arrêté, même si vous n'avez pas un centime sur votre compte. Parce que ça veut dire que lorsque M. Mike va venir te donner ta part, ça sera entre vous deux. Ça sera en liquide. Et vous avez la possibilité d'aller cacher quelque part. La loi n'a pas besoin de trouver l'argent dans votre compte pour vous arrêter. Comprenez mes frères. Et là, il y a besoin prévisaté, jusqu'ici, prévisaté. Preuve et coquille comme on en a boité, c'est un détournement intellectuel. Ndima que Ozoa qui 57 millions. 57 millions, on paye au Moutouzi Yango. Donc, il y a une caméra dans une angle de l'autre côté. Mais quand ils vont se rencontrer, à Pessier, décharger Kozalaté. Parce qu'ils ont marché balobi gré à gré. Donc, marché moko boyé, entre Bissomi Balé Moutou. Hein? Vous partagez vidéo bande konanga to bo bo mi abonné na Mike Toanga fils officiel TV. Allez à ma page. Je vais commencer à faire des lives sur ma page parce que des fois quand on fait sur le mur, il y a des gens qui ne partagent pas, qui n'aiment pas, c'est souvent ça bloque. Donc j'ai ma page personnelle Mike Toanga fils comme mon nom, juste j'ai complété officiel et TV. Donc il y a cette page où suivez-moi, suivez Mike Toanga, ne m'envoyez pas de demandes d'amis, je suis déjà blindé. Mais allez juste aimer ma page. Donc, Bandeko, na bonde libino, na sengi bino ke Vital Kamerhe, bokoti kalaka kozwa prevete, azama yele, c'est un homme intellectuel. Je vais boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Je ne vais pas être comme la greffière qui a tenu toute la journée sans boire de l'eau, excusez-moi. Je suis désolé. Boluka preuve matériel te. Ba juge baza bazo baté. Tribunal ya matete baza bazo baté. Pona batinda dossier comme na gombe so ba mona kaza dossier moko boye bidon fabriqué de toutes pièces. Mais le problème est que un détournement intellectuel mes frères et sœurs. C'est fait pour les intellectuels, peut-être pour ngana yote. Peut-être biso mi balé toza ba intellectuel te. Un intellectuel, quand il vole, il ne laisse pas de traces. Traces athées. C'est pourquoi les lobos au côté là, oh non, mais il n'y a pas de traces, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas ceci. Parce que lorsqu'il a reçu son argent, c'est en liquide. Parce que quelle est la raison principale de permettre un marché qui ne respecte pas la norme et les cas? Yo, il y a une société na yo. Oh, yo, bisiko, zo, ça, là, bah, yo, bisiko, que ici, on a muta à côté, il fallait accéder au passeport. Disons même cet exemple. Avant d'entrer dans notre société, toi, yo, on apporte, bah, yebisio, que toute personne susceptible d'entrer dans notre entreprise doit présenter son passeport. Bon, ça, c'est la règle stricte de la société. Moi, j'arrive au sein de votre société, sans passeport, sans aucun document, tu me fais entrer. Donc, tu n'as pas respecté la procédure imposée par votre entreprise. Tu n'as pas respecté la loi ou les lois de votre entreprise. Na koti na entreprise, na yibi. J'entre dans votre entreprise, je vole. Je sors librement.
Bon, après on fait les investigations, on dit que comment M. Toang est entré ici? Donnez-nous le nom de toutes les personnes qui ont pénétré la société. Il n'y a pas mon nom, il n'y a pas mon document, il n'y a pas photocopie de mon identité. Et moi, je suis parvenu à voler 10 millions. Nakimi, vous êtes complice, vous serez sanctionné, vous allez perdre votre boulot. On vous dira par votre société que non. Pourquoi tu lui as permis d'entrer tant qu'à la crise d'identité n'a été? Après, si photocopie à passeport n'a été, pourquoi tu as été? Tel appel Moutanga Ibimbongo. Bakoye Bisayo, que osa complice. Parce que société Isaac imposé avant Moutako, il faut que identité. Mais c'est Mike à côté appelé identité. En plus, à Ibi, vous êtes complice, vous êtes susceptible de perdre votre travail. Et même si je suis arrêté, vous serez poursuivi. Et pour na yoti ka mutu a koti sa ko la ki si identité tant que yo yebi na société na il faut mutati ka photocopie à passeport mais yo ti ki a kota la ki si te c'est que boza ba complice et en plus mutu anga a koti pe a yibi tant nga na yibi na société ba révéler que nga mutu na yibi mais par na yo mutu koti sa ki nga na société na koti ndela wana virement bancaire te na kopé sa yo na espèce donc eza passi. Société to ba investigateur ba ya koloba ke non yo pe oyibaki parce que yo au côté na société c'est moi qui ai volé ngande mutu na yibi mais na yebi ke comme au faciliter ngana kota na société na yibi na ye ko pesa yo par na yo en dehors peut-être to kuta un hôtel peut-être to kuta ne pa na nga peut-être ngande na koye pa na yo tango na ko kendo pesa mbongo wana preuve ko zalate. Preuve kozala te yango yo kobanda koloba ke o so ebino bozolo banga na za complice na mais c'est toi ba pimbongo ya pe singa ba yena compte na ye loko te parce que na pe si mbongo mais o bombi sa ta ipandeko o bombi si e pa yena ami o bombi si quelque part parce que yo o kota ki koiba directement te o tiki nde ngai na kota na yiba mais nga na yebi comme o faciliter nga tâche. Je viendrai te récompenser. Et quand moi je vais te récompenser, au kozwa baris que te ke ba oti ko yiba na société na bino. Yo ya kozwa mbongo yo zala kanango te okendo tia na banque na yo. Non, okobomba ngo na ndako. Je peux même dire que 50 millions. Oyo Jamal Abimisi sans licence. Et quoi ils ont traîné na bandako? Hein, mes frères, je sais, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais terminer dans, excusez-moi, 15h25. Je vais terminer maximum 10 minutes. Je vais lire aussi des commentaires. Barguima Batoum sous bazo soutenir Vital Kamere après na okat. Mais nazo ye bisabino ke détournement intellectuel nazo zongi la se ko zongi la parce que ya onde na boy ko simba makambo ya Massaro. Massaro on a remarqué a démissionné na Sonas a ke ko sala campagne a perdre contre Doli Makambo na 2018 après a zongi lisusu na Sonas apparemment sous influence ya copine ya Vital Kamere. Et apparemment, Sonas ne va pas se communiquer les lots. Bon, qu'on est dans la page, n'a pas de clarification, Sonas ne va pas se. Bah, l'objet, le mec, il faisait absolument rien. A démissionné, a signé des comptes, n'a va pas se mbonga, a qu'à qu'on perdre une élection, et a postulé, na nini, gombe, na gombe. Azaï, candidat provincial, Massaro, n'oubliez pas. Il était le candidat provincial, député provincial. Après, il y a qu'on zonga l'issousse. A récupéré, qu'à poste, n'a wana l'issousse, comme il y a Zui qui député était, à récupérer poste na wana to lobira le loté. Je répète, détournement na vol et keseni. Eza ils sont de même famille, mais keseni Vital Kamerhe n'a pas pris directement l'argent. Donc c'est difficile de dire que Balak Sabiso va relever bancaire. Non, il a permis un contrat bidon, un marché qui ne respectait pas des principes. Mbongo et Bima dans le souci de procurer un intérêt derrière. On ne peut pas faire passer. En plus, un rappel. Le loto zolo belaka ka 57 millions. Mais comment de yako koma na 300 maisons, le montant estimé est de 286 millions. Heureusement, contrat ango, je pense, bah, que jeter ango na poubelle. Hein? Mais montant, il fallait que bimo total, c'est plus de 200 millions pour na 300 maisons. Nous sommes dans un contrat et l'andi procédure normalité. Jamal allait bénéficier plus de 200 millions sous la bénédiction de Vital Kamerhe, sous le patronage de Vital Kamerhe, mes frères et sœurs. Pourquoi vous cherchez des preuves matérielles pour comprendre que Vital Kamerhe a fait valider ses contrats
dans l'intérêt de venir procurer. C'est pour sa tâche derrière. Même la maison qui coûtait 19 000 à l'époque de Bitakura, elle est montée à 45 000. Bitakura a le bac qui boit. Bolim Bissanga. Que 19 000 Eza taxe. Na nyon son akati, clé à la main. Bazui clé, ba pesi au côté nanda konayo. Mais, curieusement, na contrat yango Vitel Kamerhe a zoye bisabiso ka yeko valide Eza Bitakura. L'État congolais, il faut à des douaniers biloko. L'État congolais, il faut les sous-sazoua. Yo commerçant n'a pas son bon, on a son bilanga biloko. Mais, malgré prix cher au tekelinganga, les sous, il faut n'a pas des douaniers biloko yango. Mais même, na contrat à Bitakura, tout était inclus. Mais ce qui y a là, n'a qu'un contrat à Bitakura. Pourquoi les lots ont commis des douaniers biloko? Parce que dans le contrat à Bitakura, même la douane était incluse. Na lobby boy, na contrat à Bitakura, yanda kumoko na 19 000, même douane ezalaki na kati. Vitel Kamerhe a lobby, azwaki contrat à Bitakura, yanda yeka ako valide, akutaki yango na ba affaire courante. Comment prix eye ko changer? Et en plus, si to komi ko futa douane, so ki a respecta ki nde contrat à Bitakura. Donnez des réponses. Comprenez à quel niveau y a une passivité. Pour na ko faire gagner na jamais le kaka marché wana hein bande konangai bande konangai j'imagine Kamerhe président 2023 directeur jamais 2023 jamais directeur mukena kalantanda lobby azo souhaiter à mon Vitel Kamerhe président et directeur de cabinet na jamal, on verra ça bien. Donc répondez aux gens qui vous demandent des preuves matérielles pour na détournement Vitel Kamerhe, que c'est un détournement intellectuel. Mais lorsqu'on dit un détournement, ça ne nécessite pas beaucoup de na mbongo na maboko, to na mbongo na banque, to na mbongo na ndako. Mais façon kaka ya ko faciliter mutu a mérité ba avantage moko boye oye ko kina yete yo za complice na loi zo tenir rigueur moko na mutu aye opesi marché wana. Donc moi, je ne mérite pas d'avoir un crédit de 1 million parce qu'on se connaît. Parce que déjà, on ne peut pas se dire que Vitel Kamerhe est bien à Jamalte. Massaro ne veut naïe. Ça fait 10 ans qu'Aza Master a mis à ban à Jamal. Donc, vous comprenez très facilement que quand on a facilité, si vous avez un lobby, vous avez un Congolais, un privilège, vous avez un Master, vous avez un boye, il faut faire attention. Il faut faire attention, ce qui au monique camarade na yo, au monique ndeko na yo, azo mérité tes postes, azo mérité octroi à crédit na banque bisiko zo sal. Au PC que le baza même en difficulté pour rembourser, vous serez poursuivi. Parce que tant que banque impose ka que non pour na ba pesa yo msu sou 100 000 dollars, yaka na mikanda ya lopango, yaka na garantie boy, yaka na témoin. Yo parce que master na ya aye na document mon côté, yo facilité au valider ba pesa mbongo. Loba azana mezi ya kozongi salisusu te, bata la ata garanti eza moko na dosye te. Vous serez poursuivi. Yon moutondi maki kontra na ye ele kabape sa yembongo. Vous serez poursuivi. Parce que la banque impose, excusez-moi, que toute personne pour bape sa yo 100 000, il faut yana mikanda ya lopango. Ngaina Adrien Moutoumosi. Toye bani, Adrien amoninga to leatando. Leatando, par exemple, toye bani, yo nga na ina mikanda lopango teme ondi mitel mayo za directeur ya banque tozo occuper poste moko boy ba pesa nga mbongo sana pesa ba garantie soki na kimi soki na limwe na mbongo yo mutu ondi mana zo mbongo sana pesa ba garantie tu seras poursuivi et aux accomplices parce que oyebi ke Mike azo mérité 100 000 teme ondi mi ba pesa nga ça veut dire qu'il y a des pots de vin bon mona kata na FIFA allez. Excusez-moi, alors dans un exemple simple. Tout le monde a une attribution à la Coupe du Monde. Il y a une élection. Il y a une élection pour attribuer la Coupe du Monde dans le pays Songolo Pakal. Mais après, il y a un pays qui a pas de vin. Donc, tant que tu as un pays qui a un pays, tu as voté pour yo. Tu as voté. Et pays qui a en retour, tu as un pays qui a un cadeau parce que tu peux permettre de faire la Coupe du Monde.
mais mbongo ane pesa maka a liquide il y a comme ba révélation na munoko keno il y a des pots de vin. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent ce terme à pot de vin, pot de vin, pot de vin, et l'Obama Canaba Coupe du Monde, pona, et qui a même en Russie, même en Afrique du Sud, il y a eu corruption, il y a eu des pots de vin, hein? Et l'Obama Canaba vraiment, que non, donc, ils ont été que Mouta Saliba pont de Véwana, nde, à Kobana Kopé, Sabino Mbongo, on a viré ma bancaire, non, ba pèse, on a kaba enveloppe. En tout cas, Bisso, RDC, Mbalo, il faut organiser Coupe du Monde. Ok, au moins, il représente un moussoussou. Excusez-moi, il y a Congo Brazzaville. Moi, enveloppe, na kati. Ok, boy. Ah non, il y a un somba sucré. Il y a une élection, il y a un lobby pour nous attribuer même à ta canne, tout FIFA, dans la Coupe du Monde. Ça, c'est de l'escroquerie. Mais preuve est qu'on a la tête parce qu'on a payé ça en liquide. Donc, mes frères et sœurs, je vous exhorte à être patient, à être patient. La justice sera rendue. Et l'État congolais ne peut pas s'humilier pour une affaire bidon, affaire Morobo Ezanga Makoloba médiatisée, Angoué, le Canada, RTNC, Monde Antibata, Batalabiso, ce qui est l'élément, ce qui est sérieux, et Zalakate. Et indice sérieux, au lobby Boko, qui a condamné Vital Kamerhe, et Zak a facilité qui, marché Morobo Ezanga qui a rempli la condition, et le cas. Naki autorité directeur de cabinet, il a même rédigé une lettre. Il y a vie de non-objection. Une lettre qui te dit que ce qui a commis Bopé Sambongo, complicité à détournement, aux apini à la même peine qu'auteur principal. C'est ça la seule preuve. C'est ça. Façon à qu'on se comploté dans Moutou. Oui, ils ont mérité et l'autre côté. Avatar Joanne, ils ont mérité en côté. Mais ils comme osé la position de force. On permettre y a Zouambongo. On permettrait à gagner marché wana et à détournement et la kisite kaka bakuta mbongo na maboko na yo to ba mona ke virement ekota ki na mbongo wana de ba congolais ebele bazo comprendre te oh mais wapi kasi bazo la kisa biso te sika ibaki tango bayaka ko pesa mutu mbongo ya ba marché ya bongo ba pesa kaye en liquide et ça la ba virement bancaire te parce que et qu'on laisse ma trace. C'est ça, on dit un détournement des intellectuels. Mes frères et sœurs, je ne vais pas vous prendre en otage trop longtemps. Vous êtes nombreux à me suivre. Si vous voulez que chaque fois, moi, sur ma page, sur mon mur Facebook, je lance des informations qui sont vérifiables, qui sont stables, qui sont vraiment fiables. Donc, ce qu'on lingi, tout le monde a partagé l'information, il y a un mot cannabis au RDC. Kende, suivez Mike Touanga, vous cliquez. Soit vous aimez juste ma page, Mike Touanga Fils Officiel TV. Soit même sur YouTube, vous écrivez Mike Touanga Fils Officiel, Nazana YouTube. To gardez contact. Makamboya, liwaya président, juge Raphaël Yanni. To bosani angote. Enquête Eza en cours. Bato ebele na pesa pe mo information, on a vite fait. Batantonma Ezali yamamboya autopsie. Autopsie. Les premiers éléments ont révélé le poison. Mais, basta la conquête bongote, il faut tant que le poison, angezalo lengenini, de quelle nature, quelle toxicité, après tant que enquête, ramasser ba information, nous sommes dit, qu'on remettre. Parce que même la famille, il est mort de poison, il a été empoisonné. Mais empoisonné par quoi? Alors, les enquêteurs doivent répondre à toutes ces questions. C'est pour cette raison, ils estiment que dans 2 semaines, ils auront l'enquête au gras complète pour venir donner une fois pour toutes. Donc, to bossani makambo ya liwa ya président juge Yanni Raphaël et TP à son âme. To bossani ango te to zongi lango en force. Ba auteur ya liwa na yefu baza la condamné, sanctionné. To bossani te makambo ya Massaro. Massaro, on a vu des documents qui déterminent même qu'il a acheté une parcelle, un immeuble à Gombe. De plus de 1 million dans le marché public. Moussousou 320 millions. Batu ya sonas balobi Massaro, écoute, a démissionné en 2018. Akenana okosa la campagne, azwa ki député provincial, a perdu contre Doli Makambu. Hein? Donc, après, aye ko zonga li soussou. Mais il ne bénéficiait pas. Nazan a communiqué au lelo batu ya nini ya, par voie ya communication, sonas ba éclairci que les gars, il n'a rien travaillé. Il n'a rien fait.
Les gens qui en ont besoin pour n'avoir pas preuve parce que l'information et c'est qu'ils allaient accompagner à la preuve. Botin de la nakeo, yo lobby que ma sœur a démissionné, bana ou ça la grande chose, t'es envoyez-moi. Par exemple, la preuve, je vais vous envoyer. Dès que j'ai coupé la vidéo, je vous envoie. Bah, tu as sonné, c'est bah, tenir conférence de presse, bah, lobby le mec aya, na ex. Copine à Vitel Kamere, Carole, Azala qui directrice générale et à Sonas, Motaye la Kabango, Netika Semi Kinaye, Massaro. Massaro a une direction technique, na Bandako Sala. Donc il n'était même pas. Massaro, Azala qui moutouté Kendinga et Sabiso Kabanda au Tambo na Banzela, Azala qui na haut niveau. Sous recommandation à ex, copine à Vitel Kamere, Carole, Ezala moutouna comité, c'est un journal officiel. Ils ont accrédité même la présidence. Si vous avez des preuves, moi je vais vous envoyer, vous allez lire. Numéro de téléphone, ils ont à Kinshasa, beaucoup bien le journal Oana. Ils ont lu, ils ont journal officiel. Balobi, hein. Sonas Balobi, à Sala et l'autre côté, a démissionné, a coûté à 5 décomptes final, a pécié. Après, a qu'à perdre une élection provinciale comme député, a eu Zonga Lissoussou. Donc, tu as eu Kota Makamboya Massaro, mais le télé, on a eu le cas de Congolais. Bazo tout na preuve où il a qu'ici que Vitel Kamere a détourné preuve pour clôturer et ça le fait à coup faciliter faux marché un marché qui n'a pas respecté les normes ou facilité en gros mutu azu il a en gros mbonga avec toute rapidité un marché qui n'a pas été validé nulle part qui n'a pas été expertisé une autre chose contraire Bitakwira a dit pour la maison et longo à Turquie et à Congo, il fallait qu'une équipe des experts congolaises, une équipe congolaise des experts, bakendena nous constate la conformité à banda ko soke za penza ya malamu. Et le koane salama kite, parce que nyonsi salama ki na lombango. Il y a pas une équipe congolaise qui se sont déplacées en Turquie pour constater la conformité, constater la est-ce que banda ko yango toujours pe la mbongo yange za malamu pe za yango ndeto kozwa et salama kite. Pourquoi? Parce que la procédure était tellement accélérée par Vitel Kamere. Il a dû encaisser l'argent au bout de moins de 2 mois, 57 millions. Mais c'était prévu qu'à Zambongo, on a 3 tranches. Au fur et à mesure, Zambongo. Il allait bénéficier que de 30%, il a monté à 57 000. En entendant Biloko Ekoma sur le sol congolais. Et nous n'étions pas obligés à dédouaner Biloko selon contrat Bitakwira. Mais Lelo Muhima a reçu plus de 2 500 000. Soi-disant Muhima, Jano Muhima. Azumbongo ana loba bandao kende dédouaner Biloko na matadi. Contrat Bitakwira, il n'y avait pas de douane. Tout était inclus. Nyon Cézala qui n'a 4 douane. Clé à la main. N'a pas si on a la clé, n'a l'obi clé anda kuna oyango. Nyon son a 4. Mais Kamere nous dit avoir suivi les contrats, il y a Bitakwira. Mais pourquoi il y a la différence de prix? Pourquoi il y a la différence sur la douane? Pourquoi il y a la différence entre même la modalité d'encaissement? Parce que Bitakwira prévoyait de payer trimestriellement, chaque trimestre, donc 3 mois. Bapé sinan nous montant, bazeli batali moussalandengi zo salima, baye ko bakisa. Après ce qui moussale et sili babakisi. Mais la Vitel Kamere et Salamité, l'argent a été récupéré par Jamel, la totalité, sans que le travail soit fini. Pourquoi? Ça fait trop mal au cœur, non? Ça, c'est des millions. Et il y a des gens, je vais lancer la dernière information. Batomusu Bazolo Bake, comment conseiller principal et chef de l'État en matière d'économie, Ayako Loba, Mambo a 66 millions. 66 millions, on a vérifié, c'est vrai. Ils ont 57 T, mais 66 700 000. Donc, ils ont 10%, presque 10%, il a monté à 57 millions. Oyo, Balo Biango, ils ont taxé. Rétro-commission. Donc, montant total au trésor public à Bimissi, ils ont 66 700 000, mais 57 T. Parce que, bah, une rétro-commission, il y a 57 millions. Bah, pourcentage, hein? Bah pour sa tâche, j'ai outil à 57 millions. Nde eko baki samalikolo, nde eko mi 66 700 000. Il faut tout na pe, mbongo ya likolo ana, a peu près 9 000 de plus, et kenda a wapi. Mbongo ya rétro-commission ya 57 millions reçu par Jamal, et kenda a wapi. Jouana, heureusement, mais c'est Justin Bilomba,
le conseiller principal du chef de l'État en matière de l'économie, aye koye bisabiso kenakenda ki na be na nani na banque centrale, mbonge bimake za 57 milote, mais 66. Donc, oya likolo ana rétro-commission, comme nde boyaka ba fait à 15 millions, que za la ka rétro-commission, donc c'est l'argent qui revenait à l'État pour na ba taxe. Hein? To ebite na sel yango, yona nga to ebite. Numéro ya WhatsApp, eza na page nanga. Soko za na information ya solo. Ya lokuta te parce que ya lokuta na ko publier te. Oza na information ya solo, tinde la biso yango na zo koma ko numéro awa si c'est possible. Na communiquer bino numéro où je vais mettre après. Numéro ya WhatsApp, eza na page nanga. Mike Tuhanga, fils officiel TV. Si vous êtes à Kinshasa, vous avez une information sûre. Vous tindez biso na WhatsApp, on va analyser. Si c'est authentique, on va publier, on va aussi intervenir. Donc, que des informations fiables, vérifiables et vraies. Donc, le numéro WhatsApp, je vais mettre. Il y en a même sur mon profil. Si vous avez un profil, au fini, ou qui n'a pas de numéro de téléphone, ça. Bon, ben, gâté, pardon, parce qu'il y a des gens, j'ai vu le jour, le tout premier jour, j'ai mis le numéro, les gens m'appelaient à 0 et appel normal. Non, non, pas appel normal, ils ont WhatsApp. Au tindelinga que non Mike tala ou sous toujours et loko mususu c'est le kabouina et loko et le kabouina boy oui au tindelinga vidéo et loko yango peut-être information mais appelle t donc allez sur mon profil, il y a le numéro portable, vous pouvez me contacter sur WhatsApp soit sur ma page Mike Tuanga fils officiel, il y a mon numéro, vous pouvez aussi nous envoyer vos remarques. Bah on a blessé les lots tous à dimanche na haute église hein na mi changer même toi au tenir na zaina mon église ndé na lobina soana na bande konanga ba congolais. Ba oyo na blessé na ba parole nanga bolimbisanga mbongo oyo na zo bundila ngo na kozwa 1 centime te meza mbongo ya Congo pour intérêt na yo intérêt nanga nga mususu na za na poto je me retrouve un peu mieux me bande ko na biso ya Congo tango boza na passe eza ko affecter biso tozo bunda ke ba miyibi to ba détourner en cravate et si la pona Congo e mona claire pona petit peuple va vivre mieux wana de combat. Comment au toujours sale ngai bako futanga te bako pesa ngai centimètre tananga oyo façon na zo transpirer il fait même très chaud na kozu mais eza pour l'intérêt du pays ya ona zo senga bino bo partager ta vidéo bolingite mais mbongo oyo soki eza la ka détourner te peut-être balinga ba bongisa ta avenir na bino hein peut-être balinga ba bongisa ta peut-être ata balinga régie des eaux à président Papito Congo fort tala un président même ya un grand parti Congo fort, il dépèse. Azoti a ba j'aime, azoti a ba cœur. Le président Papi Tshiamala du Congo fort, je vous salue. Merci mon ami d'avoir partagé la vidéo. Mais ebele a ba compatriote, a ba zolo bozolo ba bien, tu parles bien. Mais bo ti a ba cœur, ba lingite. Bo partage vidéo, bo lingite. Mais tozo bunde l'intérêt à Congo bande konangai. Nga naza awa na poto. Hein? Naza na poto, naza na moua moussa nangai. Mais ezo sa la passe pour na bino na boza na Congo. Tous appelés à ma famille en Congo, lorsque rien ne va, lorsque les anti-valeurs comme le président Papi Tshiamala Lobakalobi, il faut lutter contre les anti-valeurs. Papi Tshiamala a proposé même qu'il y ait une peine de mort pour les anti-valeurs et pour les tribalistes. Mais il y a des gens qui ont été en Congo. Tribalisme, il fait aussi la poto Kendeli Bosso. Les Français, ils sont à Marseille, ils sont à Strasbourg, ils sont à Pitié, tout court français. Américain, aux alaya n'importe quoi, Amérique, aux Américains. Seulement au Congo, wana baza balouchwa, wana ba swahili, wana ba luba, tala mutete loyo. Il y a même ceux qui m'insultent ici. Et quand je fais cette vidéo pour gagner quoi, nazo conscientiser bino que Congo est kende dimboso. Même Papi Tshiamala, président du Congo, ne cesse pas de mobiliser les gens que ba anti-valeur est si là. Tribalisme est si là. Je l'ai même. Et reprocher la fois dernière que Papi Tshiamala, ils ont proposé vraiment peine de mort pour notre tribalisme. Alors, parce qu'ils ont divisé Congo. Soyons unis. Tout bunda parce que procès, ils ont découragé les politiciens et belé. Batika ko sala o basala ka pona ton mon a clair na mboka Congo et kende liboso. C'est l'intérêt commun, mes frères et sœurs. Au moins, Papi Tshiamala, ils ont dit que boya pona. Peine de mort, ils ont la peine d'être tribaliste. Na jugé en gros, ils ont rigueur, ma casque, le fait d'être tribaliste, peine de mort, ils ont ma casque, président Papi Tshiamala. Vraiment, l'imbissanga, on a s'opposé contre eux. On a dit que non, proposer même 10 ans de prison. Mais qu'au bon moment, parce qu'ils ont tribaliste, rigueur, ils ont. Donc, mon président Papi Tshiamala, l'imbissanga, parce qu'on a s'opposé,
me bande konanga inazande konabino congolais na futa makate na kosenga pe aide awa financière te na kosenga, me nazo mobiliser batuke ba leader politique bazo sili sambongo ya Congo bangona ba famille na bango batika pona yo petit peuple pona ngai to mona Congo ekende liboso. Mon souci c'est ça, ce n'est pas pour vous demander de l'argent. Vous ne verrez jamais Mike Toanga vous demander de l'argent. Vous ne verrez jamais Mike Toanga lancer que on appelle aide financière pour pesanga. Rien du tout, rien. Je mets même ma vie à danger, je reçois des menaces nazo ba message mon kobu, il y a des gens qui m'insultent. Oh yo zo lo ba vital caméra ibi, oh yo zo lo ba boy. Mais j'ai dit, soki ba Lumumba ba koufa po na Congo. Soki ba Ahmad Tungulu ba koufa po na Congo. Soki ba Rosi Mukendi, Rosi Mukendi a koufa po na Congo. Bongo kaka biso to lo ba ka koufa a koufa, mais yo, tu es là, tu ne fais rien. Il y a mes vidéos qui atteignent 30 000 vies, 20 000 vies, mais si j'arrive quand même à conscientiser 10 personnes, même 20 personnes, à Congolais, va changer. Batiki, oui, tolérance zéro face aux anti-valets. Papi, tu as lobby tolérance zéro. Papi, tu as le président à Congo fort, à lobby tolérance zéro, à anti-valets. Ce qui tolérance zéro est coté, tout comme on a Congo et Kende. Parce que caisse de l'État est vimba, mbongo et zala. Mais les lots, ce qui est aux amoutou, ce n'est qu'on a bien dans un ministre, vous souffrez, hein? Binoma boyebi soki ya na ya travailler na présidence té aza ministre té bozo souffrir makasi vraiment bande konangai. Mais soki Congo est komi richesse au bazolo ba Congo riche, Congo riche, Congo riche, quel lelo ba politicien batiki koyiba ngana kozonga Congo ba congolais belé bazan États-Unis na Europe partout ba kozonga Congo e kobonga. Mais ce qui te dit qu'il y a oh non, qui m'a dit bien que bandit le loté, oh banda kala, oh boy, yonde motoko ya ko changé. Et là, quand on se zana tango nango, il y a un moment prise de conscience, il faut ezala to tele mapona mboka e kende liboso. Indépendance, koutou ba kolonisabiso 92 ans et demi, mais jour moko to tele matozoa. Bon, moko to tele me la ba politicien te ke botika ki m'a dit, le Congo est pour tout le monde, c'est pas que vous et vos familles. Donc, on ne peut pas seulement applaudir que non, Kimoyi Bebanda Kalatotik. Il faut lutter. Boli Misangana Melamo Amai. Donc, Bande Konangana Lingina Tika Bino, Nzambe Apambola Bino. Oyo Batia Kiba Kerte Botia, Obo Partaja Kite Botia. Bon partager. Bah oh toza ba amité bo suivre Mike Toanga pour garder contact. Bah oh toza ba amité bo aimer page nanga Mike Toanga fils officiel to garder contact. Numéro ezana profil nanga, numéro ya WhatsApp ezana page bo tina biso ba information à solo to téléma ensemble pour lutter contre le voleur en cravate, pour lutter contre les anti-valeurs, pour lutter contre le tribalisme. On est tout coup congolais. Pas des Balouba, les Swahili, les Kivusiens, les Équatoriens. Non, nous sommes tout court congolais. C'est de cette manière, en travaillant ensemble, que nous allons redresser la RDC. That's why I'm always saying that by working together, we can do more. So guys, let's try it. Let's try to work together. I know that more people want to see that DRC is the big country. We are big. We are a great country. But we are suffering too much. So please, guys, please, Congolese, let us work together. Let us be one. Let's try to work together. We will do more and more things. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Tout cela que j'ai blessé, excusez-moi. Envoyez-moi aussi vos remarques inbox. Je saurai comment me corriger. Je ne suis pas irréprochable. Envoyez-moi vraiment vos remarques. Je vais essayer de changer. À cela que j'ai blessé, pardonnez-moi. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis ciao, ciao et à bientôt. Merci.